Avant que nous prêchions la parole, nous saluons la présence de la sœur Poto dans l'assemblée. Sœur Poto, que Dieu te bénisse. Et nous comptons pour adorer matin avec nous. Que bon Dieu capable de bénir. Que bon Dieu fasse grâce. 1 Corinthiens, le chapitre 4. Nous allons lire pour vous les versets 7 et 8. 1 Corinthiens, le chapitre 4. Nous allons lire pour vous les versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, le message de ce matin se veut une réforme. Quand je dis une réforme, je me rappelle, j'ai déjà prêché ce message dans une église. Après, le pasteur m'a appelé pour un interrogatoire d'une heure de temps. Parce qu'il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Nous célébrons la Pâque et tu as démantelé la Pâque ce matin. J'aimerais vous dire que ce matin, mon objectif, c'est de vous présenter une autre perspective de la Pâque. C'est ça mon objectif ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, dans toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, on célèbre le dimanche de la résurrection du Christ, à tort ou à raison. Cette affirmation est peut-être un peu choquante, parce que ça fait plusieurs années, peut-être probablement, que l'Église célèbre la période pascale. Mais comme je l'ai dit tantôt, le sermon de ce matin a pour objectif de vous présenter la vraie Pâque et de vous éloigner des traditions humaines. Chaque année, à cette époque, les chrétiens célèbrent la fête de Pâques pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine qui précède, ce qu'on appelle la semaine sainte, étant consacré à rappeler la passion de Jésus, ses souffrances et sa mort sur la croix. Pour voir bien vous présenter la vraie Pâque, l'important matin pour que nous établissions pour même une différence entre la Pâque et la fête de Pâques. Amen. Quand je parle de la Pâque, cette Pâque, c'est sans S. Et la fête de Pâques, gon S qui est ajouté. Amen. Mais bien aimé, à l'origine, la Pâque, c'est une fête juive ordonnée par l'Éternel à Israël en souvenir de la nuit où un agneau fut immolé et son sang appliqué sur les linteaux de la porte de chaque maison des Israélites afin de les protéger de l'ange destructeur qui devait entrer dans les maisons des Égyptiens. Mot Pâque là, dans la traduction latine, li sorti dans le mot hébreu Pessa, qui signifie passage. C'est-à-dire que lorsque on parle de la Pâque juive, on parle de passer outre, épargner. Et bien, lorsque le Seigneur lui demandait, il dit Moïse, appelez les enfants d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour votre famille et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le laiteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode chapitre 12. Bien-aimés, nous connaissons pendant Israël yon en esclavage en Égypte, la Bible présente nous que le Seigneur te pral frapper, eh bien, le peuple égyptien avec tout royaume pharaon par les displays, ça nous est les displays d'Égypte. Eh bien, par rapport à cette histoire, rappelez-nous que une pléo, le Seigneur l'était doué à travers l'ange destructeur, l'était doué frapper les premiers-nés d'Israël. Et pour que Israël soit épargné, une bagarre le Seigneur dit yo, prends sang, applique-le dans l'entoport nous, dans le poteau yo, et les anges la passé, m'a capable épargner nous. Mais bien aimé, l'ordonnance de la Pâque juive, c'est une loi perpétuelle pour Israël. Et dans le monde entier, les Juifs célèbrent encore cette fête. Parce que dans Exode, la Bible nous dit que l'Éternel a dit à Moïse pour son peuple, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez rentrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Maintenant, nous venons de voir c'est quoi la Pâque juive. Mais souvent, cette question revient. Existe-t-il une Pâque chrétienne? Mais bien aimé, ni Jésus, ni ses disciples n'ont pas institué des jours de fête particuliers. Ce n'est qu'au fur et à mesure que des fêtes chrétiennes sont apparues que la foi est devenue institutionnelle. La fête que le monde célèbre présentement, la fête de Pâques, c'est une fête religieuse qui est célébré par la chrétienté, et cette fête a été instituée par l'empereur Constantin et les évêques catholiques réunis en concile à Nicée en l'an 325. Il faut noter qu'à cette époque, une fête païenne avait lieu aussi au moment de la pleine lune pour célébrer l'arrivée du printemps, la renaissance de la nature et des jours plus longs. Mais bien aimé, il est troublant de remarquer la ressemblance des fêtes catholiques avec les traditions, les coutumes et fêtes des anciennes fêtes païennes. Et ce qui est bizarre là, c'est que, je veux dire, nos églises évangéliques, ils rentrent dans cette tradition païenne et nous célébrons à chaque année la Pâque. Bien-aimé, il y a certainement des personnes qui sont croyantes pour qui la fête de Pâques a un sens réel. Cependant, le plus grand nombre la vit dans une complète ignorance d'une quelconque réalité spirituelle. Nous l'avons dit, les Nabgadés, célébration de la semaine sainte, souvent, est-ce que nous questionnons l'origine de cette fête? Et faites ça. Une bagarre, la fête de Pâques, ouais, ils ont venu avec des œufs, des lapins, des cloches, des personnages en chocolat. Mais souvent, nous posons probablement question ça. Pourquoi les gens mangent des œufs, offrent des chocolats, font des décorations de lapins avec des cloches et des personnages en chocolat? Maintenant, message bref, va entrer dans. Pour me parler de origine toute bagaille ça yo, œufs, cloches, personnage en chocolat non. Mais une bagaille que me faut comprendre, c'est que mes bien-aimés, il faut que nous sortions de la tradition.
pour que nous célébrer la vraie Pâque, parce que Christ est notre Pâque. Amen. Christ, c'est notre Pâque. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des chrétiens qui ne mangent pas de la viande durant la période pascale, qui ne coupent pas les arbres, ne sonnent pas les cloches et s'abstiennent de faire certaines choses interdites par le concile de Nicée. Est-ce qu'un chrétien t'a doué dans toute observance ça? A même pas caché d'où vendredi à manger un bon petit viande. Dans le nom de Jésus. Parce que je batouille Jésus. Mais bien aimé, pour les chrétiens, Pâques est également un événement principal. Et un pile chrétien a tort de célébrer la fête de Pâques. Puis on dit que c'est la résurrection du Christ après sa crucifixion le vendredi saint. Pâques lui mettait également fin à la période de carême qui dure 40 jours pour les catholiques. Et une bagaille qui attire l'attention à travers tout ça, c'est comment le chrétien évangélique lui doit comporter lui par rapport à ces célébrations. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la fête de Pâques est d'origine païenne. Ça, chaque année, nous avons célébré d'origine païenne. Parce que pour qui ça, une bagaille qui attire l'attention, c'est que Satan, ils sont grands stratèges. Satan est le maître des contrefaçons. Et une bagaille Satan fait avec même nos réalités spirituelles. Satan lui maquille des bagailles pour écarter nous de l'essence de la vérité. Cela fait en sorte que nous célébrons la fête de Pâques à l'instar des païens en la réduisant à une semaine sainte de célébration. Partout dans le monde, toute église là, où on semaine de prière, eh bien, dimanche Pâques là, c'est décoration, pile bagaille. Mon cher, si pas gagne ça, on a la culte là, pas bon. Est-ce que c'est ça notre Pâque? Mais maintenant, mais c'est Christ qui est notre Pâque. Mais bien-aimé, il est temps de connaître la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est Christ. Rappelons-nous qu'en Exode, le chapitre 12, la Bible, l'Éternel Dieu va dire au peuple d'Israël que l'agneau devait être sans défaut. Et pour en être certain, la famille juive gardait l'agneau et l'observait pendant 4 jours. L'agneau ainsi éprouvé devait être égorgé. Et lorsque l'agneau a constaté que vraiment le sans défaut, il est certain qu'il est capable d'offrir l'agneau sans sacrifice. Eh bien, yo prend ça agnoa, yo passe le sous les topot la caillou. Et la Bible nous dit que ce sang il était constitué yo unique protecteur contre l'ange exterminateur. Voilà la fête. La Pâque juive, c'est cette Pâque que Jésus a célébré. Pourquoi les chrétiens maintenant nous célébrons la fête de Pâque? Nous entrons dans mascarade Constantin, nous entrons dans mascarade d'église catholique là. Chaque année, les églises chrétiennes évangéliques, ils célébrent la fête de Pâques. Mais non, nous devons, mes bien-aimés, une bagarre pour nous certains, notre Pâques, c'est Christ. Et vingt-deux matin, et c'est ça, va continuer à faire, nous parlons période pour nous célébrer la Pâque. Parce que Christ, notre Pâque, il a été immolé une seule fois pour toutes. Et chaque l'heure, en tant que chrétien, m'a rappelé de la mort et de la résurrection de Christ. Je célèbre la Pâque. La paix, mon Dieu. Jusqu'à la venue de Jésus, les Juifs célébraient célébraient la Pâque juive en immolant un agneau en mémoire du jour où leur père se préparait à sortir d'Égypte afin de venir habiter le pays de la terre promise. Mais demain, en quoi nous concerne-t-il ces événements de l'Ancien Testament rapportés par le serviteur Moïse?
Eh bien, l'auteur du livre aux Hébreux nous dit dans Hébreux 10, le verset 1er, il nous dit que toutes ces choses sont l'ombre des choses à venir. Tout ça que nous voyons de la Pâque juive, c'est au symbole de ça que nous devons venir avec Jésus. La paix, mon Dieu, avec vous. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, les versets 7 et 8, le texte que nous avons lu ce matin, l'apôtre nous dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque que le chrétien doit célébrer, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est notre Pâque. Pas nos fêtes de Pâque, mais la Pâque chrétienne, elle doit célébrer à chaque jour. Parce que lorsque je célèbre la Pâque comme chrétien, je célèbre la mort et la résurrection de Christ. C'est pour période m'a célébré. La paix, mon Dieu, avec vous. Même si je dis à là, nous prenons cette scène qui symbolisait le corps de Christ qui a été meurtri à la croix, son sang qui a été versé. Et bien demain, mais, à chaque fois, nous devons nous réunir lorsque nous songeons la mort et la résurrection de Christ, nous célébrons la Pâque. La Pâque en période. Non. Cette période que nous avons les semaines saintes, fête de Pâques, c'est une fête d'origine païenne. Mais nous les chrétiens, notre Pâque c'est Christ. Amen. Le passage que nous venons de lire, 1 Corinthiens 4, les versets 7 et 8, ce passage nous apprend que Christ immolé est notre Pâque. C'est-à-dire que notre passage de la mort à la vie, de la captivité du péché à la liberté, du joug du diable vers l'amour du Père, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, recouvert du sang de Jésus, la mort éternelle ne peut nous frapper. Nous sommes préservés, graciés. Mais qui fait nous de fêter? Faites nous de fêter, c'est Christ notre Pâque. Parce qu'à travers le sacrifice de Christ à la croix, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est notre Pâque. Rappelez-nous, Pâque, c'est Pessa, passage, passé. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la captivité du péché à la liberté. Nous sommes passés du joug du diable vers l'amour du Père. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Christ, notre Pâque. Et bien aimé, l'agneau qui égorgeait les Juifs représentait l'homme des choses à venir, c'est-à-dire Christ. Parce que Christ, le Fils de Dieu, venu de la chair, s'est offert, a offert sa vie, se laisser égorger, comme la Bible nous dit, comme un agneau sans ouvrir la bouche. Et ça fait le prophète, l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur, Libral dit dans Jean chapitre 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si dans l'Ancien Testament, yo te doué ébroué, yo te doué immolé yo agneau, eh bien cet agneau c'était une figure de Christ. Et agneau ça, yo dit que le caractéristique de Dieu, il te doué yo agneau sans défaut. Et Christ lui vini. Lui offrit tête lui sans défaut. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 18 et 19, la Bible nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Mais bien aimé, toute la vie terrestre de Jésus, même aux yeux des observateurs les plus hostiles de Christ,
La vie de Jésus fut impeccable. Malgré toute épreuve que fait Jésus passer, la vie de Jésus était impeccable. Ça veut dire que Jésus était sans défaut. Et lorsque Pilate parlait interroger Jésus, il va le dire, parce que Pilate parlait en rien pour le reprocher Jésus. Dans Jean chapitre 18, verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et il leur dit, Pilate qui parle, je ne trouve aucun crime en lui. Et, mes bien-aimés, l'agneau a été ainsi éprouvé. Il a été égorgé. Il a été mis à mort, versé son sang pour le péché de l'humanité. Dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 22, la Bible nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais dans l'Ancien Testament, à l'époque, pour les Juifs, le sang appliqué sur les linteaux des portes illustrait que le salut est personnel. Et ça fait même avec, il faut que nous recevions l'appel de Jésus et accepter comme sauveur et maître pour que nous soyons capables de bénéficier eh bien, de l'œuvre de la croix dans notre vie. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car ce n'est pas une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Exode chapitre 12, verset 8, la Bible nous dit, on en mangera la chair rôtie au feu, on l'en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Mais bien aimé, la chair rôtie au feu que les Israélites mangeaient, l'était préfiguré les souffrances de Christ. Et le baptême de feu de Christ doit être baptisé. Mais bien aimé, par la célébration de cette fête, la fête, la Pâque juive, les Juifs se souviennent des bontés de Dieu en leur faveur pour les sorties de l'esclavage en Égypte. Pour nous chrétiens, la Pâque chrétienne, Christ notre Pâque, symbolise ce que Jésus, l'agneau de Dieu, a accompli pour nous sur la croix. Mais en plus, nous célébrons l'accomplissement de ces fêtes à travers la résurrection de Christ. Mais si les Juifs, les Hébreux n'ont connu que la préfiguration de la Pâque, parce que Juifs, ils ont ça qui fait dans l'Ancien Testament, mais nous-mêmes, nous avons privilège, nous avons grâce pour nous voir l'accomplissement de cette Pâque. Amen. Lorsque je parle de l'accomplissement de cette Pâque, c'est à travers Christ. Christ, l'agneau immolé, l'agneau de la Pâque, la vie lui a été ôtée par force. Il a subi la mort. Toutefois, son sang appliqué avec foi est capable de sauver de la mort. Notre agneau ou l'agneau de Dieu, Jésus lui-même s'est offert. Il s'est laissé immoler par amour pour être notre Pâque éternelle. Je l'ai dit tantôt, le sang de l'agneau offert lors de la première Pâque n'a eu de fait pour une fois. Dans mon comprendre, la préfiguration de la Pâque, de Christ notre Pâque, Pâque ça, c'est une fois le fait et c'est pour une seule nuit. Il y a un effet pour une seule nuit. Ça fait mon Dieu avec. Mais le sang de Jésus, notre Pâque, ça fait 2000 ans que Christ, plus de 2000 ans, que notre Pâque, Christ a été immolé. Mais le sang de Christ a toujours la même puissance de vie. La paix, mon Dieu, avec vous. 600 agneaux, 600 bêtes que dans l'Ancien Testament, c'est une fois appliqué. Il faut que vous reprenne ça, Christ, là encore. Mais le sang de Christ, l'y verser une seule fois.
Et jusqu'à présent, le serviteur acheté la littérature sans ça, il ban moins force. Il n'a pas jamais perdu puissance. Dans Romains 5, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul nous enseigne à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et demain, la scène que nous venons de prendre a été instituée par Jésus, accomplie. Et Jésus leur dit, dans Jean chapitre 6, versets 53 à 58, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Son métaphore, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Marie que mon pas prend chair là pour commencer à manger, dit bon, m'a manger chair Jésus. On a au lieu de faire cette scène, mon vient avec bout de viande là avec sang et puis on a ce sang, c'est quoi Jésus n'a manger ce sang. Non. Non, son métaphore. Son métaphore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang, un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mesdames, le repas de la Pâque juive, il était commémoré la délivrance du peuple d'Israël. Et à travers le sacrifice de la croix, Jésus va remplacer cette Pâque par lui-même. Amen. Jésus va remplacer la Pâque juive par lui-même. Parce que l'agneau pascal, Christ, pour faire le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Jésus, c'est notre Pâque. M'bago Pâque juive m'a célébré encore. M'bago fête de Pâque m'a célébré. Mais ma Pâque, c'est Christ. Amen. La Pâque chrétienne, c'est. C'est Christ. C'est Christ qui est notre Pâque. Mesdames, nous venons de développer ensemble l'origine des deux Pâques. La première ou la Pâque vient de Dieu. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui a demandé à son peuple dans l'Ancien Testament de célébrer cette fête. Mais la deuxième ou la fête de Pâques avec un S, nous trouvons les racines de cette fête dans le paganisme babylonien. Nous disons encore que la Pâque biblique a été paganisée comme un fleuve d'eau pure qui reçoit une pollution et le dénature. Comment on dit ça? Si nous devons, en tant que chrétien, si on ne nous pas suivre, qui Pâque nous d'aille? C'est la Pâque juive, au moins. Là, bon Dieu avec. Mais je vous dis, la Pâque juive, c'est ton agneau. Je te sacrifié. Mais vous avez la fête de Pâques. Il faut comprendre dans la semaine sainte, vous ne devez pas manger chez viande. Il faut comprendre dans la semaine sainte, vous ne devez pas pratiquer. Soit le coupon pied pour sans sortir là-dedans. Vous comprenez? La Pâque juive, son agneau, viande. Maintenant, la fête de Pâques, vous dites c'est mourir ou manger. Vous dites c'est poisson ou manger. Je l'aime d'après mes jazz en Haïti. Des chrétiens qui ont prêté, pas forcément les poissons. Parce que c'est fête de Pâques. Il n'y a pas qu'à manger viande. Et demain, l'autre point qui est important, qui sépare deux fêtes, c'est la date de célébration. Pour la fête de Pâques, la date a été fixée par la tradition humaine au concile de Nicée en l'an 325. Et concile ça
il fixait fête de Pâques là le premier dimanche après la pleine lune du printemps, c'est-à-dire celle qui suit le 21 mars. A dit que ça fait là tout le monde là après pleine lune, tout le monde de la fête de Pâques. Est-ce la Pâque chrétienne? Qu'en est-il de la Pâque juive? La Pâque juive, la date a été fixée par l'Éternel Dieu lui-même. Dans Exode chapitre 12, l'Éternel par la bouche de Moïse a dit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire, vous l'observerez pendant 4 jours pour voir s'il est parfait. Et le soir du 14e jour, vous l'immolerez, vous le mangerez, vous mettrez le sang sur les linteaux des portes. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La Pâque juive, c'est l'Éternel qui est situé. Il dit, mais qui période pour le fêter? Mais rappelez-vous, en tant que chrétien, maintenant, nous ne parlons ni la Pâque juive, nous ne parlons ni la fête de Pâques. Mais c'est Christ qui est devenu notre Pâque immolé. En réalité, mes bien-aimés, Jésus parle d'une Pâque qui doit accomplir dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a dit aux disciples, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et de Pâques, ça Jésus a parlé. Et c'est Pâques, ça me doit célébrer comme chrétien. Parce que demain, chaque fois que nous mangeons le repas du Seigneur, à chaque fois que nous célébrons, de même que Christ a célébré ce repas avec ses disciples, eh bien, il voulait leur dire, l'agneau, c'est l'agneau du Père que vous mangez. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui s'offre lui-même en nourriture. Et une chose qui est importante, c'est que la Pâque chrétienne est instituée par Christ lui-même. Au lieu que nous célébrions une semaine, une période, une fête, mais à travers notre vie quotidienne avec Christ, nous devons célébrer quotidiennement la Pâque. La paix, bon Dieu, avec eux. Parce que Christ est notre Pâque. Il y a plusieurs significations. Et pour finir avec vous, nous allons essayer avec vous 4 significations rapidement. Comment vous êtes capable de comprendre que Christ, c'est ta Pâque, Christ, c'est ma Pâque. Mais bien aimé, Christ est notre Pâque. Cela veut dire en ce sens que ceux qui croient en lui sont couverts par son sang. Amen, bon Dieu, amen. Moun qui croit en Christ, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Christ les protège de Satan le diable et les sauve de la perdition éternelle. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Les premiers disciples prenaient chaque jour le repas du Seigneur. C'est contre, peut-être contre économique. Je connais que chaque heure, je suis réuni en servant en serviteur de Dieu. Et puis pour question d'administration. Mais lorsque chaque dimanche, nous devons célébrer. Chaque dimanche, nous devons prendre la sept scène. Mais on dit, hein, mais je dis, ah, c'est le premier dimanche. Et nous devons préparer depuis samedi. Je vais jouer mon avec son semaine 7. Non. 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 Mais l'apôtre Paul, il a écrit à sujet ça, il dit, faites disparaître le vieux levain pour que vous soyez une pâte nouvelle. Car vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, l'apôtre Paul ne dit pas ça. Mais de la réalité de la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, nous expérimentons le passage d'une vie de péché à une vie de sanctification. C'est cela la vraie Pâque, une fête quotidienne de la foi au Fils de Dieu ressuscité.
Christ est notre Pâque. Il signifie également dans le sens où le jugement qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Là, bon Dieu avec vous. Jugement qui devait tomber sur moi avec là, Christ l'a pris à la croix. C'est la raison pour laquelle Christ est notre Pâque. Parce qu'il nous fait passer de la mort du péché à une vie de résurrection par l'Esprit Saint. Nous rendons participants de sa propre résurrection et de sa gloire dans les lieux célestes. Christ est notre Pâque. Troisièmement, Christ est notre Pâque parce qu'il nous délivre d'un pays de ténèbres et d'esclavage pour nous conduire et nous faire entrer dans un royaume nouveau que Dieu a préparé et promis à ceux qui l'aiment. Ça fait Christ notre Pâque. Dans le ténèbre péché, dans l'esclavage péché que je suis. Mais Christ est délivré. Christ est ma Pâque. Mais de même, pour les frères disciples de Christ, la Pâque n'est pas une célébration religieuse annuelle, mais c'est une réalité quotidienne. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection sont pour ses disciples les fondements de leur foi et l'objet d'une grande expérience. L'apôtre Paul a écrit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, le verset 3. Mesdames, ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus est vivant. C'est glorieusement vrai. Jésus est vivant. Mais comment nous appréhendons cette incidence dans nos vies personnelles? Mesdames, la résurrection de Jésus, c'est un fait incontestable pour tous ceux qui confessent être chrétiens. Mais cependant, nous allons prendre portée résurrection ça. Pendant une semaine chaque année, il est particulièrement question dans les milieux chrétiens de toutes les dénominations de la passion et de la résurrection du Christ. Le dimanche de Pâques, on lit dans toutes les églises les passages de l'évangile qui proclament la résurrection de Jésus. C'est bon, c'est bien pour nous rappeler bagay sa yo. Mais il est encore plus bon pour nous connaître l'importance, le sens et actualiser dans la vie quotidienne nous comme enfants de Dieu et comme disciples de Christ. Le Seigneur dans lequel nous croyons, mes bien-aimés, et que nous suivons est vivant. Et chaque matin, nous devrions saluer sa présence et son action dans nos vies. Dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, la Bible nous dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Christ, notre Pâque, en dernier lieu, c'est l'assurance de notre résurrection. Puisque Christ, notre Pâque, il était mouru, il est ressuscité, eh bien, c'est une assurance que nous avons. Lorsque nous mourons, même le serviteur a acheté pour dire, la mourir m'a revivre encore. Christ, notre Pâque, c'est l'assurance de notre résurrection. Le serviteur, Paul, dans Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, il dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais bien aimé, la résurrection, c'est une merveilleuse espérance pour ceux qui sont sauvés. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
L'apôtre Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Christ, notre Pâque, c'est l'assurance de notre résurrection. Bien-aimé, à l'instar de Paul, nous encourageons chaque monde qui m'a là matin à célébrer Christ comme notre Pâque. Pas la fête de Pâque, pas la Pâque juive. Parce que, parlant de Pâque nouvelle sans levain, nous comprenons ce matin que Jésus, notre Pâque immolé, à travers Christ, notre Pâque immolé, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Par Jésus, nous devenons une nouvelle nature ou une nouvelle pâte. Notre corps de péché qui a été mis à mort, a été mis à mort, puisque Jésus a été crucifié dans sa chair. Soyons libérés ce matin du vieux levain qui symbolise notre ancienne vie dont nous rougissons aujourd'hui. Ce vieux levain nous rappelle les œuvres de la chair dont parle l'apôtre Paul dans Galates 5, le verset 19. Le vieux levain se manifeste aussi à travers toutes ces doctrines erronées, pernicieuses, diaboliques, qui viennent de Babylone et de sa religion. Nous savons comment ce vieux levain diabolique est rentré dans le christianisme avec l'empereur Constantin et tout ce qui a suivi avec le concile de Nicée et qui ont suivi. Mais bien aimé, notre vie en Christ et la vie du royaume de Dieu ne peuvent survivre que si nous sommes des branches greffées sur l'olivier sauvage, l'olivier franc, et non sur un arbre que Dieu n'a pas planté, notamment venant de Babylone et de toute sa prostitution. C'est seulement en étant débarrassés de ce vieux levain que nous allons marcher et nous tenir dans la pureté et dans la vérité, c'est-à-dire en Christ, notre Pâque immolée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et que nous prenions conscience ce matin que c'est Christ qui est notre Pâque. Dieu vous bénisse.